C'est un abribus qui n'en a plus que le nom. Il abrite encore les villageois qui s'y regroupent, mais l'absence brutale du bus régional Zou, qui y faisait son terminus, se fait durement ressentir. Le vendredi 2 septembre, on attendait le car, il n'est jamais venu. De mémoire d'habitants, les transports publics, d'abord quotidiens il y a 40 ans, sont ensuite devenus hebdomadaires ces 20 dernières années, pour finalement disparaître aujourd'hui. Au XXIe siècle, on a beaucoup moins que nous n'avions à cette époque. C'est ce que vous pointez du doigt? Absolument, absolument. Et je trouve que là, on est dans un état de dégradation. Le mot est fort, mais il est juste. Et que c'est quand même un peu scandaleux. Une interruption soudaine pour une question de budget, selon la mairie. Une situation qui a changé les habitudes des villageois qui seraient approvisionnés à l'hypermarché de Nice-Lingostière chaque vendredi. Pour pallier ce manque de transport en commun, tout est envisagé, même l'achat d'un minibus par la commune. L'achat, ça va coûter une certaine somme. Mais après, il faut le financer d'année en année. Il faut l'entretenir. Mettons, le bus fait 30 000 euros, certainement plus. Hein. 30 000 euros, on va nous en financer si on s'en débrouille bien 80%. Il nous restera 20%. 20% sur 30 000, ça fait 6 000. 6 000 déjà, c'est énorme pour le budget de la commune. Ça, au moins un quart si c'est un tiers de la budget de la commune. D'autres alternatives existeraient? Une navette à la demande qui les conduirait jusqu'à Vence? Ou la ligne de bus régulière qui s'arrête à Bouillon, mais qui n'a pas encore de correspondance établie pour l'instant? Alors pour l'heure? La solution pour l'instant, c'est moi ou mon épouse qui amène les personnes avec nos véhicules personnels, avec tous les moyens qu'il y a à notre époque, de se sentir abandonné, c'est pas normal. Un maire qui se sent bien seul dans son joli village perché à 1400 mètres d'altitude, et pour ses administrés, aucune solution viable de transport à l'horizon.